De là où le vent est ce midi sur la Canoë, bonjour à toutes et à tous. Un temps perturbé, gris couvert avec de la pluie, une pluie qui tombe bien en diagonale parce que le vent est bien sud-ouest, il est soutenu à fort, il y a 400 beaufort établi, des rafales à 106. La température extérieure est à 13 degrés, dans l'eau c'est du 13 degrés, la marée est actuellement en train de monter, le plein eau est à 15h05, des coefficients petits, 54. Et sur cette marée qui monte, avec ce vent qui est onshore soutenu à fort, le plan d'eau est clapoté moutonnade. Point de mouette et, ou de goéland en ligne de mire. Et là, vous allez voir les grosses séries, je crois. Et on a cette houle longue de 14 secondes de période orientée ouest-nord-ouest qui est à la hausse. Sur la bouée du Cap Ferret, en moyenne, elle tourne maintenant à 3,50 m. Et en termes de taille de vague, là, on a 2,50 en déferlement régulier, 3,50 sur les séries qui rentrent fréquemment, 4 mètres sur les grossettes qu'on voit là-bas. C'est gras, ça tombe au ralenti, ça gronde, c'est épais, ça brasse pas mal. Pas de surf et pas d'action. L'évolution pour le reste de la journée, cela va continuer de grossir. La bouée Arcachon-Gascogne est à la hausse à quasiment 6 mètres et 13 secondes pour la fin de journée. Pour ce qui est du vent, il va s'orienter un peu plus à l'ouest et se calmer. Les prévisions à 17h, c'est 4 à 5 mètres, ou l'ouest à ouest-nord-ouest, 15 secondes de période, vent d'ouest, 3 à 4 beaufort, pas de surf et pas d'action. Même avec de la mobilité de proximité, cela n'est pas favorable. Le prochain point, il sera demain matin, à la première lueur du jour.